La préconisation, c'est premièrement déjà d'avoir, malheureusement on utilise toujours ce terme-là, mais sur des lieux qui puissent être accessibles à toutes les personnes, parce que pour pouvoir avoir une activité physique et sportive, il faut bien évidemment pouvoir se déplacer sur le lieu. Il faut avoir ensuite du matériel qui soit accessible aux personnes en situation de handicap. Le coût du matériel aujourd'hui étant malheureusement un frein, donc on constate que voilà. Un des grands enjeux, voilà, c'est de favoriser l'accès, le déplacement, la chaîne de déplacement des personnes en situation de handicap pour se rendre sur des lieux d'activité physique et sportive, mais aussi de sensibiliser les clubs sur la capacité d'accueillir les personnes en situation de handicap. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit une personne en situation de handicap arriver dans un club de pratique sportive, il y a un peu un regard de rejet parce qu'on se demande comment on va faire, parce qu'on ne sait pas faire. Donc il y a aussi ce besoin de formation des accompagnants qui accueillent aujourd'hui le public en situation de handicap.